c'est indescriptible. On sait qu'on écrit une page d'histoire. Donc... Kobo fam, welcome to rural Western France, where we found the ultimate David vs. Goliath story. It's Les Herbiers, a third division club fighting off relegation to the fourth against Paris Saint-Germain, the richest club in the world. Somehow, they found themselves in the Coupe de France final, and the absurdity is not lost on these people. They built a replica of the Eiffel Tower right in front of their stadium. Let's see what happens tomorrow. C'est extraordinaire pour nous. C'est des choses qui arrivent une fois dans la vie. C'est sûr que pour le peuple, il y a une grande fierté de se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être un géant pour affronter un géant. Avoir Les Herbiers, PSG, finale de Coupe de France, c'est enterré avant que ça recommence. Hein. C'est pas probable. Les Herbiers have never been a big club. They were first promoted to the third division in 2015 and they've never made it past the round of 16 in the Cup. But this is what it means to have such a big run in such a small town. The whole city's red and black, all the window shops have the jerseys in them. You thought magic of the cup was a thing in England? This, my friends, is le magique de la coupe. Même personne n'aurait réalisé qu'un jour une ville de 16 000 habitants en France irait au Stade de France jouer le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça crée vraiment une osmose dans la ville des Herbiers. Ben, positif, oui, dans le sens où... L'engouement autour des joueurs, c'est un rêve unique pour eux, unique. Beaucoup de professionnels n'iront jamais mettre les pieds sur le terrain du Stade de France. Beaucoup de professionnels n'iront jamais coucher ou vivre à Clairefontaine. Je pense que pour une ville comme Les Herbiers, en France maintenant, on sait où se situent Les Herbiers. Les gens, tout le monde entier va connaître notre petit village. Voilà, ben lui, il dira... À telle époque, ben, mon village a participé à une grande fête. Mon village a permis au travers du foot d'être connu. Et bon, c'est des souvenirs qui se gardent éternellement. C'est des choses qui arrivent une fois dans la vie, il faut pouvoir le vivre. Quoi. Je pense que le Stade de France, ça représente, voilà, ça sera peut-être qu'une fois dans leur vie. Alors, pour nous, l'aventure a commencé à Angoulême hein, et ça a été un match, on s'est dit, il faut continuer à les suivre. Alors à Salo, il faut savoir, il pleuvait tout le temps. Salo, on arrive à gagner 2-1 et on dit pourquoi pas, on le referait pas. Mais c'est vrai qu'au départ de la compétition, voilà, il y a beaucoup de petites équipes, donc on a affronté au départ beaucoup d'équipes inférieures à nous et petit à petit que la compétition a augmenté, on a commencé à jouer des équipes supérieures, dont Lens et Auxerre de Ligue 2. On a eu Auxerre qui a été un match d'anthologie, où on part dans la neige, on fait 7 heures de quart, et ensuite voilà, on gagne 3-0 d'une manière splendide. Et donc nous voilà arrivés tout de suite en quart de finale contre Lens. On gagne au pénalty avec des arrêts sublimes de Puchot. Et plus il y avait de monde à suivre, hein, c'est presque mathématique. Et maintenant on s'aperçoit que c'est plus qu'une ville, c'est tout un département qui suit son club. Après on a la demi-finale contre Chambly, qui là était une équipe tout à fait à notre portée, ce qui s'est produit d'ailleurs. On avait un public formidable, hein, 36 000 personnes qui étaient de Vendée. C'était énorme. On est rentré de Chambly. Le car s'est arrêté au stade, c'était bondé de monde, il y avait des fumigènes, il y avait tout, c'était la folie. This is a story that only modern football could provide. It's a population of 16,000 versus a population of 2.2 million. A budget of 540 million a year versus a budget of 1,500,000. And a player that gets paid 3 million a month versus a player that gets paid 3,000 a month. Il n'y a pas de qui répond à raison. Les Herbiers, c'est 540 millions d'euros de budget. Nous, c'est 1,8 million. Voilà, donc... C'est ni plus ni moins que le salaire de Neymar, il payerait deux fois le club, deux clubs comme nous, par mois. Donc non, ça n'a pas de comparaison, c'est demain et on fera avec nos moyens, mais nous on a le cœur pour jouer, c'est ça. On est aux antipodes du club de Paris, où ils méprisent
tout le staff, ils voient que par eux, quoi. Même sur le terrain, ça se ressent. So although les Herbiers are living in dreamland, think about how ridiculous this situation is. They've got a stand with 1,000 people, cows mooing in the background behind us, and on the other hand, they're playing PSG, a team who won the league with 19 points to spare. They already won the other French Cup, and they're going for the treble this year. It seems like mission impossible for les Herbiers to go to Paris and actually get a result. But haven't they already won by getting there? I mean, a town like this of 16,000 people reaching the great French capital, it's insane. En fait, notre vraie finale s'est jouée il y a trois semaines. Hein. Pour nous, c'est déjà une victoire d'aller au Stade de France. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été au Stade de France déjà. Donc pour nous, c'est déjà une victoire. Le score, à la limite, on s'en fout, quoi. Donc voilà, mais ce Paris Saint-Germain-là est injouable. Mais c'est notre finale, on y va pour faire la fête avant tout. Pour te donner un petit peu une idée, il y a 120 cars qui partent d'ici. 120. 120. Parce que, mais ça part de toute la Vendée, toutes les mairies d'à côté. Tout le monde a fait son car, tout le monde a fait... Il y a tout le monde qui vient. Ce Paris Saint-Germain-là, il faut être réaliste, c'est imbattable. Maintenant, c'est toute une ville qui va se déplacer, tout un département. So how are you gonna feel about it? Mon émotion, elle va être que je sois à la même hauteur que les joueurs parce qu'eux, ils vont se donner à 2000%. Donc moi, dans les tribunes, il faut que je me donne à 2000% pour qu'ils nous entendent et puis qu'on puisse faire la fête après. C'est manque une fois que la finale va être jouée, à moins qu'on gagne le match, après ça va être une fête historique. Mais voilà, et malheureusement, comme tout événement, tu retombes après dans l'anonymat. On est Vendéen, donc un Vendéen, rien n'est impossible. Hein. Half the village is rocked up, it's 7 a.m. and we're about to head 5.5 hours to Paris for what is the biggest game of these people's lives. This is surreal, man. I can't believe what's happening today. Allez! Amazing here on the bus. Everyone's reading newspaper headlines of their own interviews in the last couple days. You've got people doing live interviews on TV and radio. You know, this whole town has come together over this football club and they finally made it to the final. That's the magic of football, man. C'est une grosse, grosse fierté pour toute la Vendée, tous les Herbiers et toute la région. C'est que du bonheur. Franchement, c'est vraiment super. C'est fou. About an hour ago, we set up things inside, and guess what everyone's watching right now? You've got Les Herbiers Youth against PSG Youth. 0-0. Hey!
are incredible. Allez les Viandes, allez les Serbiens, the night comes up.